Bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il va falloir être très attentif à la saison de Manchester City, car ils sont en train de réaliser une saison absolument historique. Est-ce que tu te rends compte de la saison qu'ils sont en train de faire? Ils viennent de remporter la Première Ligue. Là, aujourd'hui, ils viennent de fracasser, de laminer Manchester United en finale de Coupe d'Angleterre. C'était la première fois que ces deux clubs, entre Manchester City et Manchester United, se retrouvent en finale d'Angleterre. Là, c'était un derby. Absolument. Oh là là, je ne sais pas comment l'expliquer. Imagine un petit peu, il y a un Saint-Étienne-Lyon en finale de Coupe de France. Tu comprends ce que je te dis? Imagine un derby où deux équipes se détestent, hein, au plus haut point. Parce que là, on a Manchester United qui a pris, comment dire, le principe du football dans son ensemble. Ils ont créé tout ce qu'ils sont en allant chercher des joueurs d'en bas, alors que Manchester City, tout est dans l'argent. Tu comprends? Ils ont fait des infrastructures de malades, ils ont payé là-bas. Et là, on voit quoi? Que l'argent le remporte sur les principes. Vous vous rendez compte? Manchester City vient de frapper Manchester United. Manchester City, équipe toute jeune, vient de fracasser en finale de Coupe d'Angleterre une équipe historique comme Manchester United. Eh ben, dis donc, vous vous rendez compte de cette dinguerie? Et en plus, là, mesdames et messieurs, la saison qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Première Ligue, Coupe d'Angleterre, et là, peut-être la Ligue des Champions. Peut-être la... Et là, mais ni non, les champions... Tu te rends compte? Hein? Manchester City a la possibilité d'avoir 3 trophées, tandis que d'autres clubs en sont à 0 titre. Je veux bien sûr parler d'un club qui joue souvent habillé en blanc, qui se fait appeler la Maison Blanche. Je veux bien sûr parler du Real Madrid. Pas de Liga, pas de Coupe d'Espagne, pas de Ligue des Champions. Et oui, quand vous perdez, tout le monde est content parce que vous êtes soi-disant les meilleurs du monde, mais quand vous perdez, vous êtes les seuls à être tristes. Vous êtes tout seul en mode on est triste, regarde, tout le monde est content parce qu'on est les meilleurs, on y en a perdu, ben voilà, hein, voilà, au moins eux ils sont contents, nous. Donc le Real Madrid cette année, c'est cutty. On a parlé de ça à Carlo Ancelotti. On lui a dit, mais attends, le Real Madrid, vous avez rien gagné cette année, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que c'est pas une saison un petit peu pourrie? Il a commencé à nous sortir les coupes que tout le monde en a rien à faire. Les coupes du mois d'août. Ouais, mais on a quand même gagné une Coupe du Monde des clubs, là, au mois d'août de l'année dernière, au début de la saison. Donc là, Manchester City a la possibilité de remplir tout son armoire de trophées juste en une saison. La Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, Coupe d'Angleterre, Première Ligue. Est-ce que vous pensez que Manchester City va fracasser l'Inter de Milan? Sachez, mesdames et messieurs, que ce match va être, comment dire, un peu bizarre. Parce qu'on a d'un côté une équipe très joueuse et de l'autre, on a une équipe italienne. Et ceux qui connaissent le foot connaissent les équipes italiennes quand ils jouent en finale. C'est tout le monde en défense, on laisse rien passer et à la 85e minute, on met le but. Ah là là! Parce que quand les Italiens, les Italiens ils jouent avec le mental. Ils jouent en défense. Ils te laissent attaquer. Ensuite, tu perds confiance. Et quand tu as perdu confiance, ils frappent. Donc, nous allons assister à une finale d'anthologie avec deux équipes comme Manchester City et Inter de Milan. En tout cas, bravo aux Citizens pour leur saison absolument incroyable. Dommage pour United qui a bien fini sa deuxième saison depuis qu'ils se sont séparés d'un certain... Ah là là.